Chers frères et sœurs, par l'Esprit de Saint-Augustin, nous sommes le troisième dimanche de Pâques, année liturgique B. Les lectures liturgiques nous invitent à redécouvrir et vivre les fruits du ressuscité, tels que le pardon. Dans les textes de l'Évangile de ce jour, le ressuscité essaie de convaincre ses disciples sur la réalité de sa résurrection. Christ invite ses disciples de les toucher et de les regarder afin d'être convaincus et d'être témoins de sa résurrection. En même temps, le ressuscité rajoute une preuve de sa résurrection, la preuve scripturale. Comment partager les fruits de sa résurrection? Est-ce que nous trouvons la vraie joie dans le Christ ressuscité? Après, nous allons voir en détail ces questions qui nous aideront à approfondir notre réflexion dominicale. De toute façon, puissions-nous devenir les messagers de la bonne nouvelle du pardon. Alors, pour mieux comprendre ces textes liturgiques selon Saint Luc, puissions-nous les regarder en deux perspectives. Premièrement, de la preuve à la conviction. Deuxièmement, de la conviction à la mission. De la preuve à la conviction. Juste un petit rappel, depuis les jours de Pâques, nous voyons progressivement trois preuves concrètes de sa résurrection. D'abord, pendant les dimanches de Pâques, la première preuve de sa résurrection était les signes du tombeau vide. Ensuite, les derniers dimanches, la deuxième preuve était son apparition à ses disciples. Et voilà, en ce dimanche, le ressuscité apparaît à ses disciples et surtout, il essaie de les faire comprendre, de croire et de témoigner sa résurrection. En fait, la troisième preuve selon les textes de ce jour est la preuve scripturale, comme la Sainte Écriture avait prévu de sa résurrection dans l'Ancien Testament. Comment Christ ressuscité a convaincu ses disciples de sa résurrection? D'abord, il les a invités de les toucher et de les regarder. Ils ont touché ses plaies, les plaies des clous pour croire que c'est bien lui. Par ailleurs, Christ prend l'initiative d'inviter ses disciples de les toucher et de les regarder, c'est-à-dire de les contempler. Autrement dit, Christ les invite de faire une expérience personnelle. Pour être convaincu afin de convaincre les autres. En plus, le ressuscité a mangé devant eux un poisson grillé. C'est bien lui, le ressuscité. Tout cela nous montre la preuve concrète de sa résurrection. Puisque ses disciples ont pensé qu'il était un fantôme. En plus, après avoir fait une expérience personnelle, les disciples avaient beaucoup de joie. Évidemment, la joie d'avoir touché le Christ ressuscité. La joie d'avoir regardé et contemplé le Christ ressuscité. La joie d'avoir le Christ ressuscité au milieu d'eux. Et enfin, la joie d'être témoin de sa résurrection. En effet, la vraie joie qui s'enracine en Christ le ressuscité. Où est ce qu'on trouve la vraie joie? C'est pour cela que les psalmistes se demandent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Pour nous, comment toucher et regarder Christ aujourd'hui? Dans la communion, dans sa parole de la Sainte Bible,
et les biens que nous faisons pour nos prochains. Alors, l'autre perspective qu'on peut tirer de ce texte est de la conviction à la mission. L'un des objectifs de son apparition à ses disciples est de les faire être témoins de sa résurrection pour qu'ils partagent la bonne nouvelle au monde. Cette bonne nouvelle est centrée sur la réconciliation et le pardon. On parle du partage. Normalement, on partage ce qu'on a. Par exemple, tu peux partager cette vidéo car tu l'as. Sinon, tu n'arriveras pas à la partager. De même, les disciples devraient partager leurs expériences personnelles avec Christ au monde. Par ailleurs, des fois Christ s'est manifesté à ses disciples pour les faire croire et les donner la mission. La mission d'annoncer le pardon de Dieu au monde. Est-ce que nous faisons connaître la bonne nouvelle du pardon au monde? Pour terminer, il y a plusieurs moyens et manières de toucher et regarder Christ dans notre vie quotidienne. Avec la foi, acceptons de toucher et regarder Christ dans les pauvres, les opprimés, les abandonnés et tous ceux qui ont besoin de notre secours. Prions que nous vivions selon les fruits de sa résurrection et pardon. Prions au Christ ressuscité que chaque chrétien soit un Alléluia de la tête jusqu'aux pieds. Amen. Bon dimanche à tous. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de commenter. Likez.